Salam la team donc euh, petit débrief avant match algérie bostouana donc là la vidéo sera postée vers 17h je devais la faire hier soir mais j'ai pas eu le temps donc euh, je vous la fais là quelques heures avant le match enfin, pour ceux qui vont un peu traîner sur euh, sur internet etc au niveau des abonnés ils la verront certainement et c'est l'essentiel donc euh, donc le match a lieu dans 3h concrètement ça va pas être une analyse avant match parce qu'on va pas appeler ça une analyse c'est un match on n'a pas besoin d'analyser grand chose. a c'est une équipe avec tout le respect qu'on leur doit, bien plus faible que la nôtre. Euh, bien plus faible que la nôtre. Et euh, on les a déjà battus. Donc sur le match aller chez eux. On est déjà qualifiés. Euh, donc euh, voilà. On va dire qu'on est euh, plus ou moins tranquille. Donc euh, en fait, c'est un match où on a deux façons de l'aborder. Il euh, y a une façon euh, ça serait de tester une nouvelle équipe. Euh, vu qu'on est déjà qualifié, donc tester des joueurs, tester des joueurs. Et la deuxième façon, euh, qui est de simplement mettre une équipe en testant quelques petits changements, ou euh, de mettre l'équipe type. Donc une équipe type, ou une équipe type avec quelques petits changements, quelques ajustations par rapport au temps de forme actuelle, par rapport... Euh, par rapport à tout ça mais tout en gardant l'équilibre euh, l'équilibre en fait la colonne vertébrale de l'équipe donc avec toujours euh, Ben Sebaini Mondi euh, Ben mandi, euh, avec toujours un Benacerf fegouli au milieu ou au moins deux joueurs sur les trois et devant euh, toujours Ben Marais incontournable, un et ensuite devant après voilà si tu sois du, du Belayli-Bunjer, parce qu'ils devront très bien ensemble ça peut être du belayli Slimani ça peut être du Benrahma Slimani voilà mais on a de façon quoi qu'il arrive quelque chose de solide mais cette vraie colonne verté vertébrale pour moi, depuis euh, la Cannes, c'est vraiment la paire euh, Mandi Ben Namri en défense centrale, Ben Sebaini sur le côté gauche, euh, Feghouli euh, Benasser Djoura et marès Après, voilà, c'est vraiment ça qu'on a actuellement par rapport au temps de forme. Euh, bien sûr, Bounjah et, et Belayli, incontournables à la canne, mais plus forcément maintenant. Bref, donc moi, je pense que Belmadi va aborder de la deuxième façon pour ne pas perdre. Euh, même si normalement, avec une équipe B, on est censé gagner. Mais pour ne pas perdre, pour continuer sur ce record sans défaite, euh, qu'on va essayer d'aller chercher le plus loin possible. Et pour consolider euh, le moral, euh, etc. Re Reformer la cohésion d'équipe. On joue beaucoup moins depuis le Covid, etc. On a eu beaucoup de décalage, Donc forcément, il faut euh, toujours qu'il y ait cette cohésion entre les joueurs. Mandji et Ben Namri, ça fait un beau moment qu'ils n'ont pas joué ensemble. Je crois que ça fait euh, fois depuis un ah an peut-être. Un truc comme ça euh, corrigez moi si je me trompe mais ça fait un moment qu'ils ont pas joué ensemble voilà donc euh, je pense qu'on va aborder de la deuxième façon je pense que c'est ce qu'il faut faire c'est vrai que moi je serais parti pour tester une équipe mais bon là on va dire que c'est pas le moment on va dire que là ça, ça fait longtemps etc pourquoi pas en deuxième mi-temps ça se passe très bien faire euh, tester beaucoup de, de jeunes ou etc ou même changer de tactique en cours de jeu mais je pense qu'il faut partir avec une équipe type donc quelle équipe Type, ou quelle équipe, la meilleure équipe, fait rentrer sur ce match-là, selon moi. Alors, je dis bien selon moi, c'est pas ce que Belmadi va faire. En tout cas, je pense qu'ils sont tous d'accord au Kijal à la place de Mbolhi. Défensivement, on a plusieurs options. Déjà, soit on fait tester Ahmed Touba, euh, parce que très prometteur, hein, Ahmed Touba. Donc, faudrait le faire tester. Mais en même temps, il euh, euh, y a le côté Ben Amri Mandi où ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué. Donc moi, j'opterai pour ça. À la gauche, Ben Sibaini, euh, normal. Euh, et sur le côté droit, moi je mets très Zéphane, simplement par rapport au mérite qu'il a eu avec la Cannes. Il a trouvé un club, euh, il joue, voilà. On, on a toujours pu compter sur lui à la Cannes, sur des matchs à grosse pression. Il a montré qu'il était capable. Donc là, avec la blessure d'Atal, on a testé Halaymia sur les deux autres matchs, c'était plus que correct pour moi. Ça ne vaut pas Atal en pleine forme, mais c'est correct. Zéphane, il faut voir si maintenant, dans quelles conditions physiques il est. Je pense que c'est important de le savoir parce qu'à la canne, il était quand même assez bon. Il a même été bon sur son, son entrée. Et, euh, et voilà. Au milieu de terrain, Benasser fait incontournable en relayeur. Si on joue en 4-3-3, pour moi, Guidura, euh, ça doit être fini en UN en tant que titulaire. Euh. C'est vraiment, voilà, pour moi, Guedura c'est fini en tant que titulaire, euh, pour toutes les raisons déjà évoquées, rien contre lui, mais il a fait son temps, euh, ce que déjà, il a eu un temps de gloire en UN, c'est à la canne, sinon il n'en a jamais eu les autres années précédentes, c'est c'était s'était connu pour l'Afrique, etc. Mais euh, voilà, c'est un joueur, on sait quelles sont ses qualités, ses capacités, ses surfaces à la canne. Il a fait une canne, une canne du cœur, une canne de la motivation, une canne de l'effort. Et honnêtement, c'est ses meilleures prestations avec euh, les Fenech depuis qu'il est en sélection algérienne et, et chapeau pour lui. On est content parce que ce qu'il a fait, c'est très très fort. Il l'a bien fait. Mais maintenant, si on doit chercher, si on doit jouer en 4-3-3, je pense qu'on a, pour moi, euh, le futur, euh, le futur, ses organes à ce poste-là. Qui pour moi, il n'y a aucune, aucun joueur algérien qui est plus fort que lui. Euh, à ce poste-là, bien qu'il peut jouer en 6, euh, en 8, pardon, il peut jouer en 6, en 8, euh, en double pivot, pour moi, tout dépend avec qui tu l'associes. Mais si actuellement, on doit remplacer ce schéma-là, pour moi, mes organes, et pour moi, c'est vraiment le futur de la sélection algérienne à ce niveau-là, il n'y a personne de plus fort que lui à ce niveau-là, Je parle à ce poste-là, pardon. Donc moi, j'aimerais vraiment voir Zorgan sur 90 minutes, et je peux vous assurer que, pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, qui suivent pas trop on va dire etc mais je sais qu'au niveau là des abonnés vous suivez tous vous connaissez tous à peu près le foot algérien donc euh, voilà je pense qu'ils sont tous d'accord pour dire que Zorgan il doit être mis là sur ce match là et quoi qu'il arrive même s'il n'est pas mis sur ce match là c'est forcément le futur euh, de l'UN on espère que même au niveau club etc ça va progresser pour lui ça va s'expatrier vers l'Europe ça va faire euh, ça va être costaud quoi ensuite devant Marès à droite euh... Slimani devant. Slimani, pour moi, est numéro 1. Je l'avais déjà dit, le Kalakan, euh, Bounja, statistiquement, c'était faible. Dans le jeu, oui, c'était correct. Il a fait des erreurs. Il a loupé un penalty qui aurait pu nous coûter la victoire. Euh, rien contre Bounja, joueur que j'apprécie beaucoup, qui est fort tactiquement plaisant à avoir joué, etc. Mais Slimani au-dessus. Statistiquement, Slimani au-dessus. Je ne sais pas ce qu'il faut faire de plus pour que vous compreniez que Slimani est au-dessus de Bounja statistiquement parlant, ce qu'il apporte sur un match, c'est toujours une passe ou un but ou une avant-dernière passe. Ça a toujours été comme ça, ça sera toujours comme ça parce que Slimani, c'est Slimani. Il est fort, Slimani. Vous pouvez dire ce que vous voulez, Slimani, il a toujours été bon. Euh, que ça soit en Algérie et quand il est parti au Sporting, à partir de la deuxième saison, énorme évolution. Il était septième meilleur des grands championnats européens, septième meilleur buteur des cinq des grands championnats européens. N'oubliez pas, ça c'était 2015-2016 il me semble. Et depuis, euh, voilà, il a eu quelques passages à vide, mais à chaque fois qu'il est rentré il a fait mal. Il a fait des bons matchs, il mettait des buts venus derrière avec les à un moment, une frappe pleine lucarne de je sais plus combien de mètres, etc. Bref, Slimani c'est Slimani numéro 1, il va battre le record de Tasfahoud selon moi. Et voilà, et, euh, et sur la gauche, euh, bah, on va dire qu'on aurait pu tester un gazade sur la gauche. Euh, mais il ne jouera pas sur ce match-là. On aurait pu tester Rebelléli pour lui redonner de la confiance parce que ce qu'il a fait sur le match précédent, c'est pas ouf, mais c'est pas mauvais non plus. Et, euh, et voilà, on aurait pu tester Ben Rahma. Et c'est selon moi ce qu'il faut faire. Il faut mettre Ben Rahma, Il est à West Ham. Euh, on va dire que, voilà, avec son club, c'est pas oufissime, mais voilà, on attend beaucoup de lui en tout cas. Après, hum, gros potentiel. Grosse force, etc. Donc, euh, donc voilà. Moi, je dirais que Benrahma doit jouer sur le côté gauche. Donc voilà, moi l'équipe que j'aimerais voir. Euh, ensuite, franchement, peu importe l'équipe, c'est un match que on ne peut pas perdre. Si on perd ce match-là, c'est très très grave. Peu importe l'équipe que tu mets, euh, si on fait match nul, c'est très très grave aussi. Euh, et là, il faudra se poser vraiment des questions sur beaucoup de choses. Je pense que déjà, de toute façon, il faut se poser des questions sur pas mal de choses, la solidité défensive, notamment. Euh, le fait de jamais euh, Essayer de s'adapter à la situation C'est à dire que quand on mène 2-0 Pourquoi on va faire entrer des joueurs offensifs Ben m'a dit pourquoi il fait ça Chacun comme il le sent Mais euh, moi je vois pas Je vois pas ça comme ça euh, Donc voilà donc voilà C'était un petit débrief d'avant match Le match est à 3h euh, Pour moi score final euh, Allez on a Tchaker Allez euh, 3-0. Ouais, 3-0, je pense minimum. Hein, 3-0. Euh, minimum. Voire 4-0. Euh, donc, euh, donc voilà. But, euh, but de, but de Marès. Euh, but de Slimani. Euh, et voilà. Et le reste, on verra bien. But de mares, but de Slimani, ça sera déjà pas mal. Et j'espère surtout, surtout sur ce match-là, voir Zorgan. C'est pour moi mon plus grand souhait, c'est de voir Zorgan 80 minutes. 90 minutes devant la défense. Voilà. J'espère que ça sera fait. Si c'est pas fait, c'est pas grave. En tout cas, moi voilà comment je vois ce match-là. Et, euh, et voilà. Donc n'hésitez pas à me dire. Pour ceux qui verront la vidéo avant le match, euh, est-ce que vous pensez à peu près comment au niveau du débrief. Euh, vous voyez quel score et quel compo vous aurez vu vous. Est-ce que c'est la même, une différente. Pourquoi? Est-ce que vous aurez préféré que Belmadi fasse une compo, où il teste les joueurs. Peut-être c'est ce qu'il hein qu va faire. Peut-être qu'il va sortir un truc. Euh... Ahmed Touba, euh, tel et tel, euh, voilà, on ne sait pas, on verra bien. En tout cas, voilà. Si vous avez vu la vidéo, comme d'habitude, vous savez ce que vous devez faire. On se dit à la prochaine. Allez, ciao.